ce nouveau numéro de Travel Guide. Nous sommes en direct du Val Joly pour le Val Joly Imaginaire. Je vous propose de découvrir ce qui s'est passé. Val Joly Imaginaire, c'est le carrefour fantastique des amateurs d'imaginaire. Cette année, c'est la 3e édition. On est super contents d'être là. On a vraiment des gens adorables qui sont venus nous retrouver, des auteurs, des illustrateurs de talent, des artisans féeriques qui nous emmènent vraiment dans un monde de rêve. On a Bruno Brucero qui nous a fait le plaisir de nous amener toute son expo. C'est une expo sensationnelle qui nous fait rêver. On sort de cette expo totalement transformé, on est transporté dans cet univers féerique. Qu'on soit amateur du genre ou pas, c'est vraiment transportant. Bonjour Karine. Bonjour, bien. Val Joly Imaginaire. Écoute, c'est la 3e édition et j'étais présente des premiers numéros. J'ai fait des rencontres vraiment magiques et depuis, je suis venue tous les ans. Vraiment une équipe du tonnerre, un public qui est intéressé. Donc je me suis dit, surtout que cette année on m'a proposé d'être la marraine et de faire l'affiche, donc oui, 3 millions de fois. D'accord, et alors est-ce que tu peux nous parler de cette affiche que tu as créée? Le but était vraiment d'essayer d'illustrer la fantaisie en général. Donc j'ai un peu tâtonné, j'ai fait une première version mais qui était trop ciblée ange. Donc du coup je me suis dit allez, partons sur les dragons, chose que je n'aime pas trop parce que j'ai du mal à vraiment les intégrer dans mes illustrations. Et ça a été un petit challenge et vraiment très contente de les voir en grand. Quoi. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de Travel Guide en compagnie de Marie-Louise Walk. Nous vous souhaitons une bonne journée et à très bientôt pour un nouveau numéro de Travel Guide.